Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Monsieur le représentant du ministère des Affaires étrangères française, Monsieur le conseiller spécial, Excellences, Mesdames et Messieurs l'ambassadeur, Monsieur le délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l'homme auprès de l'OIF, Messieurs les sénateurs et les députés, Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers compatriotes et amis, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à la résidence de l'ambassade, à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de la République, de l'indépendance de la République de Madagascar. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais cette date, plus qu'aucune autre à Madagascar, est l'objet d'une attention particulière pour chaque natif de la Grande Île. Tous les ans, lors du 26 juin, du nord au sud du pays, les familles mettent des petits plats dans les grands pour fêter comme il se doit et souvent juste à l'aube la naissance de la République de Madagascar. Durant quelques heures, dans chaque ville de Madagascar, on marque une pause et on laisse de côté les différends. Et c'est à quel quartier organiserait le meilleur bal populaire? Quelle région aurait les meilleures animations, les meilleurs jeux? Mesdames et messieurs, ce que je viens d'évoquer là est le véritable esprit de la fête nationale de Madagascar. À l'heure où notre pays traverse une crise politique profonde, dans une période où on peut partout dans le monde, les populations subissent de plein fouet la crise économique. Il est nécessaire, je crois, de mettre une certaine simplicité dans nos réjouissances. C'est la raison pour laquelle je tiens à rappeler ce soir à quel point la fête de l'indépendance, au-delà des cérémonies officielles d'usage, s'est imprimée de manière si intime et si naturelle dans notre culture populaire. L'an dernier, lors de cette même rencontre, j'avais formé le vœu d'une paix retrouvée. Des progrès importants ont été réalisés depuis cette date. En septembre 2011, la feuille de route pour la sortie de crise a été signée, ouvrant la voie à un processus commun de normalisation de la vie politique. À la suite de cette signature, a été mis en place le Premier ministre de consensus, a été mis en place le gouvernement d'union nationale, le Parlement de deux chambres, composé de Conseil de transition et Conseil suprême de la transition, et aussi la Commission électorale indépendante pour la transition, afin d'organiser les élections de A à Z sur la base du rapport des experts des Nations Unies, lequel rapport permettra à la Commission électorale nationale indépendante de la transition de déterminer le calendrier électoral qui débouchera sur la nature des élections à tenir, à savoir élections présidentielles et ou législatives. Aussi, la loi d'amnistie a été adoptée par le Parlement le 13 avril dernier. Le SADC, le 1er juin 2012, a adopté une résolution recommandant une rencontre entre le président de la transition, André Villarazuel, et le président sortant, Marc Rabalma. Le ministère des Affaires étrangères
dans le souci de sérénité, a exprimé le vœu de tenir cette rencontre après le 26 juin et en dehors de Madagascar, un lieu que le SADC jugera approprié. Ainsi, mesdames et messieurs, l'horizon politique s'éclaircit peu à peu. La seule solution pour faire sortir Madagascar de cette longue crise, c'est d'organiser le plus tôt possible les élections, afin que le peuple malgache puisse exprimer son choix à travers des élections libres et transparentes. À la faveur de cette soirée de célébration, que je voudrais bien placer sous le signe de l'amitié, je tiens à rendre hommage à la communauté du développement de l'Afrique australe, la SADC, à nos amis qui n'ont cessé de nous apporter inlassablement leur soutien et leur expertise ô combien précieux. Je veux également témoigner ma reconnaissance à l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a toujours témoigné une amitié si profonde et si intense. Permettez-moi enfin de remercier chaleureusement l'État français pour ses nombreuses actions en faveur de la sortie de crise et de la reconnaissance internationale. Je voudrais remercier également les membres des ONG, des associations qui continuent sans relâche de dédier leurs efforts à aider les populations les plus démunies. Je les rassure de toute mon amitié et je leur témoigne ma profonde gratitude. Bien sûr, tous les travaux d'assainissement, d'équipement sanitaire, des réorganisations, des systèmes de gestion et de même d'éducation et de sensibilisation de la population, tous ces travaux ne verraient pas le jour sans la générosité des donateurs auxquels je veux également rendre hommage. Les régions, les communes françaises, les communautés urbaines et bien entendu l'Agence française de développement et l'Union européenne, sans oublier également les partenaires privés. Mesdames et messieurs, à l'heure où les changements climatiques font peser sur Madagascar, des menaces réelles, soit de sécheresse, comme on l'a vu cette année, soit de cyclones plus fréquents et violents, nous ne pouvons faire l'économie de la solidarité de pays comme la France, notamment en matière de protection et de la restauration des ressources d'eau. Mesdames et messieurs, c'est une chance et un honneur pour le peuple malgache que de vous avoir à nos côtés. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos aides humanitaires. Merci pour votre générosité. Thank you. Спасибо вам большое. Всего доброго. Grazie mille. Auguro a tutti. Soprattutto a lei. Magasito.